Ah voilà, je crois qu'on est en direct. Bonjour tout le monde, je suis ici avec Julie, l'heureuse gagnante du concours qui a eu lieu lors du stage où on a dansé les quatre archétypes, où on a dansé quatre archétypes parce qu'il y en a 12. Et voilà Julie, je suis très contente que tu as accepté d'être ici présente avec moi dans cette petite interview où tu vas pouvoir partager avec les gens comment c'était pourquoi tu t'es inscrit au stage, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment ça se fait que tu as été aussi active. Donc, il faut savoir, avant que je te donne la parole, en fait, savoir qu'en fait, tu as gagné ce concours parce qu'on pouvait gagner des points en étant actif dans le groupe Facebook, en étant actif sur la plateforme, en partageant aussi l'expérience avec des copines à gauche, à droite, en parlant. Et donc, voilà, c'était toi qui a gagné le plus de points et donc tu as gagné une année dans l'espace éveil. Et voilà, donc, Virginie, raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a décidé à t'inscrire à ce stage? Parce qu'on ne se connaissait pas avant, hein, je pense. Non, en fait, là, je suis tombée par hasard. Je sais pas s'il y a de hasard, mais en fait, moi, ça fait quelque temps que j'avais pris la décision de vraiment prendre du temps pour moi parce que je suis dans un nouveau changement de vie et du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour le moment. Donc, c'était l'occasion pour moi de me reconnecter à moi et au féminin parce que ça fait déjà un bon moment que. J'étais un peu en froid avec le féminin, avec le mien et même en général. Et du coup, j'avais vraiment le besoin de refaire un lien de paix, d'amour et de se relever. Je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin de retrouver la force et la douceur de la femme et de me reconnecter à ça. Et du coup, quand j'ai vu ta page Facebook, j'ai regardé. Et ça m'a donné envie, ton énergie et ce que tu partageais déjà sur YouTube m'intéressait. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure pour essayer. Et puis ça a été, comme j'ai du temps pour le moment, j'ai pu explorer pas mal de choses que tu proposes. Et voilà, c'était vraiment, je crois, une joie de partager tout ça avec toi, avec les autres. Il y a le son qui de temps en temps disparaît, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'internet chez toi ou bien le téléphone, je ne sais pas. Mais moi, en tous les cas, j'espère que tout le monde a tout compris. Moi, j'ai tout compris ce que tu as dit, donc c'est bien. On a fait dans l'espace enfin, du stage, on a fait des exercices préparatoires, n'est-ce pas? Est-ce que tu as trouvé ça utile? Parce que le stage était jeudi et le lundi, on a commencé avec ces petits exercices. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as trouvé ça utile? Oui, moi j'adore parce que en fait j'ai beaucoup dansé dans ma vie et ça fait quelques années que j'ai pu redanser comme ça et donc ça m'a permis de reconnecter aussi à la danse qui est vraiment quelque chose qui me recharge, qui me décharge, vraiment un bien fou. Et donc je faisais même les exercices avec ma fille, elle a 3 ans et donc on s'est fort amusé, on a passé beaucoup de temps à ça et ça nous a fait vraiment du bien. Donc c'était vraiment à chaque fois des bons moments quoi et on les a fait même plusieurs fois parce que je lui ai appris aussi à elle à bouger parce que moi j'ai déjà une certaine difficulté. Maintenant c'est pas du tout la danse orientale que je faisais, c'était plutôt la danse africaine et du coup c'était une autre subtilité quoi, plus féminine, plus sensuelle et ça m'a permis aussi de connecter à ça parce que moi d'habitude quand je danse sauvage. Et du coup, c'était intéressant pour moi de rencontrer une autre énergie. C'était vraiment chouette. Ouais, donc voilà, toi tu as dansé, tu as dit qu'elle a 3 ans, la petite fille? Oui, c'est une. Waouh, c'est trop chouette. Enfin, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je suis maman de 4 enfants. Bon, maintenant, ils sont grands, mais on a toujours dansé à la maison. Et je trouve que quand on travaille sur ce genre de thématiques comme les archétypes, bah, c'est dans un monde imaginaire et pour les enfants, ils n'ont même pas besoin de faire un effort pour y être, hein. Ouais, donc, c'est magnifique de faire ça avec ta fille. Vraiment super chouette. Et le stage lui-même, qu'est-ce que tu dirais de ce stage? Pour toi, c'était comment? Pour moi, c'était hyper puissant. Je me souviens beaucoup du moment de la maman, de l'archétype de la mère, où
Bah, moi, j'avais fait le choix de mettre le bébé, c'était moi. Et en fait, j'ai eu énormément d'émotions de me reconnecter à l'enfant et à moi quand j'étais petite et de retraverser des étapes de ma vie comme ça où je me suis fort sentie seule souvent, même si j'ai une maman merveilleuse qui m'a beaucoup apporté d'amour et de soutien dans toute ma vie. Bah, il y avait quand même un autre aspect ici, c'était différent. Et c'était vraiment fort, quoi. Et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir retraverser tout ça avec, avec ce regard de moi du futur et de moi dans le passé. C'était vraiment intéressant. Et puis les autres aussi, archétypes de la femme sauvage et tout ça, c'était vraiment chouette. Et puis j'avais un peu la crainte de faire ça en vidéo parce que moi, j'aime bien de faire ça en réel. Et en fait, bah, c'était super chouette de voir tout le monde ensemble danser et que tout le monde jouait le jeu. Et au final, bah, j'ai senti quand même une alchimie et une connexion avec les personnes. Et il y avait aussi quelques copines dans le groupe. Et du coup, c'était vraiment... On a pu en reparler aussi après. Et, bah, c'était vraiment chouette. C'était une autre approche, quoi. Mais, c'est puissant que ce que je pensais, quoi. Oui, je sais que les gens, tu vois, par exemple, je donne évidemment les cours que je donnais à Bruxelles l'année dernière. Il y a plein de gens qui n'ont pas suivi en ligne. Ouais, je veux pas faire du en ligne, c'est pas la même. Oui, c'est pas la même chose, mais il y a quand même une connexion et une magie, quelque chose qui nous nourrit et c'est pas négligeable. Il vaut mieux que ça que rien du tout. Et comme tu dis, quand on a des copines dans le groupe, alors c'est sympa. Oui, moi-même, quand je donne le cours, après, je re-regarde l'enregistrement où je vois toutes les personnes et ça me touche parce que quand je donne le cours, pas forcément, je peux voir tout le monde comme ça. Et ça a quelque chose de très touchant, comme tu dis, hein. C'est vraiment magnifique. Tu as été là hier, oui, tu as été là pour notre célébration, n'est-ce pas? Bah, j'ai voulu, mais je n'ai pas réussi à me connecter. Et puis, j'ai eu. Ma fille voulait aller faire dodo. Du coup, je n'ai pas su le faire. Mais en pensée, j'étais avec vous. Oui, c'est hier, on a fait ça parce qu'il y a 600 personnes. Je ne sais pas si tu savais ça. Il y a 600 personnes qui se sont inscrites à ce stage et qui sont aussi actives sur la plateforme où il y a les replays, où il y a les exercices et tout ça. Donc, je les vois actives. Et hier, dans la célébration, ben, on s'est en énergie connecté à ces 600 femmes qui se sont inscrites à ça. Et il y avait une puissance, il y avait une énergie qu'on pouvait, qui était palpable. C'est un truc que je crois qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir se dire, mais oui, mais c'est quand même intéressant de faire les choses en ligne. C'est, ouais. Ça a des avantages par rapport au offline. Comme, ouais, donc c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on ne doit pas être trop long. Je sais que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Alors, Juliette, ça c'était vraiment un grand plaisir de te donner cet accès pour un an à l'espace éveil à toi. Parce que je sais que, en plus, maintenant que tu as dit que tu fais ça avec ta fille, que tu vas en faire, tu vas faire fructifier ça dans ta vie. C'est les archétypes, comme il y en a 12, bah là on a travaillé sur 4, les autres sont tout aussi magiques et je me réjouis beaucoup de pouvoir alors te voir dans notre sororité, je vais y arriver, et dans cette énergie des archétypes. Bah, grand merci à toi et à toutes les participantes et j'ai hâte de découvrir plus et de partager encore plus et de créer ce beau groupe de ça. Et voilà, ouais. Je te souhaite une bonne après-midi et on se voit de toute façon aujourd'hui. On a encore une séance, un rituel de clôture. Si jamais tu peux être présente, c'est magnifique. Et un bonjour à toutes celles qui nous regardent ici en ligne et dans le groupe. Et on se voit donc ce soir. Et sinon, de toute façon, à très bientôt. Merci Juliette, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.